Long ago, Mephisto, Lord of Hatred, was captured by the Haradrim and sealed within one of three soul stones. But his imprisonment was part of a grander plan. Over the course of centuries, Mephisto corrupted the Zakharum priests who were watching over him, manipulating them into freeing him and his primeval brethren. The sinister effects of Mephisto's hatred follow him wherever he goes, whether it be the confines of a soul stone or the cosmos of the Nexus. Mephisto is a ranged assassin who excels at dealing sustained area damage and evading crowd control. Mephisto's trait is Lord of Hatred. Hitting enemy heroes with his basic abilities lowers their cooldown for each hero they hit. Lord of Hatred allows Mephisto to deal a lot of damage as long as he casts his abilities at the right time and hits multiple heroes with each usage. Skull Missile is Mephisto's first basic ability. He conjures an ethereal skull and, after a short delay, launches it in the target direction, slowing and damaging all enemy heroes in its path. It serves as an effective poke and makes it difficult for enemies to escape from Mephisto's other abilities. Lightning Nova provides Mephisto with another way to deal area damage. He creates a ring of lightning around himself that damages enemy heroes for as long as they are in contact with it. Lightning Nova's damage is increased for each hero it hits. In the right position, Mephisto can inflict some serious pain. Mephisto's final basic ability is Shade of Mephisto. When cast, Mephisto teleports to the target location and deals damage in a small area around him. A Shade of Mephisto stays in his original location until he teleports back to it a short time later. With clever usage, Mephisto can finish off a retreating hero, dodge area damage, and avoid CC. Consume Souls, Mephisto's first heroic ability, reveals all enemy heroes while he's channeling. When the channel completes, all revealed heroes are damaged and slowed. It can act as a powerful finishing move when his basic abilities are unable to kill his enemies. If the damage from Consume Souls doesn't kill Mephisto's enemies outright, his allies will know where to find them and finish the job. Durance of Hate provides Mephisto with a powerful disruption tool. A short time after it is cast, Mephisto unleashes a horde of evil spirits in the target direction, damaging and rooting the first enemy hero they hit. The spirits fan out in search of other nearby enemy heroes, damaging and rooting them as well. A well-timed Durance of Hate can swing an entire team fight in Mephisto's favor. You are too late! Mephisto is all about positioning and choosing the right moment to strike. The greater the number of enemy heroes he hits with each of his basic abilities, the more often he can cast them. Lightning Nova in particular has the potential to deal high amounts of damage over the course of a match with the right tactics. Take advantage of clumped up enemy teams, especially when their movement is hindered. Using Shade of Mephisto in clever ways can deal area damage while maintaining an escape route. Mephisto will return to his Shade's location even if he is stunned or otherwise incapacitated, allowing him to be more aggressive than other ranged assassins. At level 13, Mephisto gains access to the Hysteria talent, which upgrades Lord of Hatred to also reduce the cooldown of his heroics. At level 20, the Consumed by Hatred talent causes Consumed Souls to be recast if its initial damage kills an enemy hero. Combining these two talents allows Consumed Souls to be cast far more often, leaving Mephisto's enemies nowhere to hide. At level 20 is the Shade Lord talent, which significantly upgrades Shade of Mephisto. Not only does it let Mephisto switch places with his Shade, but it also gives him access to all of his level 7 talents, transforming Shade of Mephisto into a workhorse ability that slows enemy heroes, grants him armor and movement speed, and enables some amazing plays. Mephisto, the most cunning of the Prime Evils, has set his insidious plans in motion once again.
all will soon bend to his will, or they will succumb to his hatred. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour parler du spotlight de Mephisto. Alors il est sorti plus tôt que je ne l'avais prévu. C'est très étrange puisque la Gamescom aurait dû être le moment où il sort. Et il sort bizarrement, c'est très étonnant. En tout cas, Mephisto, alors je suis très étonné de son physique pour commencer. Parce que le personnage, je pense que vous l'avez vu avec le spotlight, il a l'air ultra intéressant, très playmaker. J'ai tout de suite pensé à Mene et Lockdown sur un tel perso, très skillé. On peut penser à Reset et Poilk également, personnage très très intéressant. Donc effectivement, oui, gros skill cap, donc possibilité de faire énormément de choses avec lui. Possibilité de tout rater. C'est un mage, donc là-dessus on est confirmé. Mage tonnerre, mage foudre pour la première fois. Mais je vais parler un petit peu aussi pour les fans de Diablo. Son physique est très étonnant. Ça, c'est un Mephisto beaucoup plus ressemblant de celui qu'on connaît, de Diablo 2, Diablo 3. Vite fait, hein, vite fait, très rapidement, pour vous remontrer les différences. Parce que, final, le Diablo, on va laisser passer un petit peu. Alors, attends, hop, juste là. Alors, voilà. Mephisto, ici, vous voyez, à la tête, à cette tête-là, plus dans le jeu. Sauf que ça, c'est pas une photo de Mephisto, ça. Ça, c'est une photo de Lucian. C'est une image de Lucian. Et Lucian, c'est le fils de Mephisto. C'est pour ça qu'il ressemble un peu à Mephisto, mais déjà, lui, il a des jambes. Mephisto n'en a pas. Donc, premier truc qui me choque, c'est qu'au final, l'apparence de Mephisto, spotlight, enfin, l'artwork est magnifique, etc. Mais la tête de Mephisto ne correspond absolument pas à ce qu'on a vu. J'en avais parlé dans le tease. Bon, au final, la vidéo est sortie en même temps, mais j'en avais parlé un petit peu en disant quelle va être l'apparence de Mephisto. Puisque dans Diablo 2, Mephisto, il ressemble à ça. Rappel, Mephisto ressemble à ça dans Diablo. Dans Diablo 3, Mephisto ressemble à ça. C'est la dernière image qu'on a eue de Mephisto. Et ce que j'aimais beaucoup avec Mephisto, c'était l'idée du crâne. On voit un crâne humain qui est justement, enfin un crâne humain démonisé, et qui montrait un petit peu justement le côté stratégique, le côté malin de Mephisto. Le côté, voilà, le cerveau. Il n'est pas physiquement ultra puissant parce que bah voilà, c'est un cerveau, c'est une intelligence. Et au final, son code couleur bleu-violet abandonné, on ressemble beaucoup plus à une apparence de Diablo 2 avec le côté chair, sauf qu'on met un crâne différent. Alors est-ce que c'est à cause de Kel'Thuzad? Étonnant. Est-ce que c'est peut-être à cause de Kel'Thuzad? On a voulu une apparence un peu plus animale, qui ressemble un peu plus à Satan au final. Enfin le démon. Et du coup, c'est vrai que c'est étonnant. Moi, Mephisto, si j'adore le perso, c'est aussi pour son physique, qui est atypique. Et j'aime beaucoup sa tête en fait. Et là, sa tête me déçoit un petit peu. En tout cas sur l'artwork ça va, mais in-game je suis un peu déçu. Bon, c'est la première chose. Ce qui est très intéressant aussi, son code couleur. Donc comme petit frère Diablo, rouge. Mais du coup on chope le code couleur de son autre frangin, à savoir le jaune, puisque c'est le code couleur de balle, le jaune. Donc j'avoue que c'est étonnant. C'est étonnant, donc j'ai hâte de voir les skins de Mephisto honnêtement. Parce que je suis pas forcément ultra fan de son physique. La tête qu'il a là, j'ai du mal. Après, alors ce qui est très intéressant, donc ses forces, les dégâts de zone, le très fort contre les CC. Étant donné que, première fois, on en reparlera juste après, mais c'est la première fois que dans Heroes on a une mécanique comme ça où la mobilité peut être utilisée même sous contrôle ennemi. Et ça c'est très rare, et ça fait plaisir de voir ça. Ça doit être très limité, mais c'est intéressant qu'on le mette sur un mage, justement. Donc du sustain damage, après ils mettent sustain damage, mais c'est du burst sustain damage en fait, hein, parce que c'est des combos. C'est juste que par rapport à un mage, ça ressemblera peut-être un peu plus à du Gul'dan, à savoir du burst sur un petit peu plus de temps qu'un burst habituel. Jaina, vous lancez tous vos sorts, bam, c'est parti. Chromie, vous lancez tous vos sorts, bam, c'est parti. Kel'Thuzad, bam, vous lancez tous vos sorts. Mephisto va ressembler un peu moins à Gul'dan. Enfin, ça reste un mage, hein, mais il ressemblera peut-être un peu plus à Gul'dan dans l'idée que il faut d'abord travailler au corps avec QZ, etc. Mais ça reste un mage, ne vous en faites pas là-dessus, je pense. De ce qu'on a vu. Alors difficile à savoir si les auto-attaques sont fortes. On verra ça sur le PTR. Mais les auto-attaques c'est plutôt intéressant. Donc le passif déjà, le passif de Mephisto, donc le seigneur de la haine, qui va tout simplement faire en sorte que si vous touchez vos sorts, vous allez réduire le temps de recharge de vos sorts. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. On a vu que le Q met à peu près à une 8-10 secondes CD. Et si vous touchez, vous réduisez le temps de recharge. Ça, je trouve que c'est une mécanique ultra intéressante et ultra skillée, étant donné que celui qui touche va beaucoup plus valoriser son pic. Si vous touchez pas, beaucoup plus difficile. Et on voit que par exemple, là il y a deux personnes touchées, et du coup vous passez à 3 secondes CD sur le Q, ce qui est très intéressant. Le Z a l'air d'avoir une... Alors le Z donc a l'air d'avoir une... Enfin, un
un lancement un peu étrange, mais voilà, c'est la foudre, et du coup, il y a un arc de foudre autour, et pour chaque personne touchée, l'arc de foudre fera plus de dégâts, mais par contre, vous ne pouvez pas visiblement contrôler la taille en fait du cercle. Ça m'a l'air. On verra, hein, bien sûr, mais ce n'est pas une affirmation, mais ça a l'air d'être comme ça, et du coup, ça serait peut-être un petit peu dommage, sachant que vous êtes un mage, des fois, vous serez zoné, vous ne pourrez pas forcément utiliser ce sort. C'est le petit bémol. Après, le A. Qui va ralentir, et ça c'est quand même intéressant, des dégâts plus ralentissement. Et vous avez vu que plus il touche, le Z, plus il fait mal. On monte, on fait 60, 72, 62. Plus ça touche, en fait, plus ça fait mal. Du coup, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Alors on voit, hein, mais le E aussi, gros outil de mobilité pour un mage, qui a l'air juste excellent. Mais bon, le Q-Spell qui sera le sort le principal. Donc voilà, le crâne maudit, le Q, hein, on l'a dit. Qui sera son principal outil de dépush très probablement. Donc visiblement le Z pour wave clear avec le Z, si ça touche bien les sbires, il faudra probablement se mettre sur le côté, un petit peu à l'image d'une Liming, sur le côté de la vague pour que l'arc touche tous les sbires. Enfin, il touchera pas tous les sbires d'ailleurs, mais il touchera une partie des sbires. Son auto-attaque a l'air assez lente. C'est pas quelque chose de fou, de fantastique. Voilà, le Nova de foudre. Donc la Nova de foudre, le Z. Qui permet de voilà d'infliger des dégâts, et plus vous touchez de monde, plus ça fait mal, sachant que ça c'est progressif. Donc plus vous restez dans le foudre, dans l'arc de foudre, plus ça fait mal. Et ça c'est super intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, ça augmente en plus pour chaque héros touché. Donc ça c'est héros touché, donc ça n'augmentera pas en fonction du nombre de sbires touchés par exemple. Donc c'est vraiment que en team fight l'augmentation par héros touché. Mais j'aime beaucoup le fait que plus vous prenez des coups d'arc électrique, plus ça fait mal. Vraiment le rapport avec la foudre, tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. Pas de poison au passage pour Mephisto, mais on a un peu le poison électrique au final. Alors le E, ça c'est une mécanique, moi j'adore. J'adore. Un E qui permet donc un blink, une téléportation instantanément. Une téléportation. Rappelez-vous que le dernier mage à avoir une téléportation, c'était Liming. Ce perso est devenu méta pendant très longtemps. Après, on verra, on en reparlera. Je sais pas, on peut pas, c'est difficile, je peux pas vous dire si le perso est OP ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que le perso va faire couler de l'encre, ça c'est certain. Déjà c'est Mephisto, donc c'est un personnage qu'on attend, et en plus de ça on va voir après. Du coup Mephisto, le E in, qui va faire des petits dégâts dans la zone où vous vous téléportez, mais c'est vraiment des dégâts, c'est vraiment rien du tout, mais c'est surtout un outil de mobilité extraordinaire, avec son Z, avec son A, et il peut repartir avec son E, même s'il est contrôlé. Alors j'espère que ça marche pas sur les routes par contre, parce que le route, justement le but du route c'est de casser la mobilité, donc j'espère que ça ne fonctionne pas sur les routes, que ça fonctionne sur les stuns, sur... Alors, semblerait que ça marche sur les silences. Voilà, donc voilà, on voit il s'en sert pour pouvoir TP in là en diagonale pour esquiver un contrôle. Il esquive justement le sort de Descartes qui a une ici et il le déglingue. Alors ils n'ont pas montré le E, c'est dommage parce qu'il y avait un E justement qui permettait de montrer. Je crois que c'était avant les 13, avant qu'il monte le 13. Voilà, c'est là. Non, c'est pas là. C'était sur. Je me rappelais que c'était sur Warhead. C'était sur Warhead où il montrait. Ah, voilà, là. Voilà, là. Il peut être agressif avec le E et du coup, Mephisto reprend la place même s'il est stun. Même s'il est étourdi. Ou sous le coup d'un autre effet incapacitant. Donc, autre effet incapacitant, moi sur le papier je me dis, c'est-à-dire que même s'il est silence, il peut TP out, ce qui est quand même très fort, et ça marche sur les routes aussi. Et le route, la base, c'est que tu ne peux pas te déplacer en fait. Un route, c'est ça qui est la force d'un route par rapport à un stun. Du coup, faut voir sur le E, mais ça peut être très intéressant, faudra avoir plus d'infos plus tard. Alors les ultimes, alors là... Ça déjà, ça va faire pleurer Reddit. Ça va faire pleurer énormément de monde. Puisque j'ai joué pendant 5 ans à League of Legends, et il y a un personnage qui a jamais été vraiment méta, mais qui a toujours fait pleurer les joueurs. Il y avait Katarina, bien sûr, mais également Karthus. Et ça, c'est tout simplement l'ultime de Karthus. Donc, l'Orgidame, j'adore le nom de la traduction, l'Orgidame est extraordinaire, bien sûr. Ce sera l'Orgie aussi quand on va casser ce genre de choses. Mais... ça touche tout simplement tous les ennemis. Ça sera fort contre Viking aussi, puisque ça touche les 3 Vikings, ça touche Mishar et ça touche tous les héros ennemis, et en plus ça révèle leur position. Très probablement cette ultime... Alors on voit pas de canalisation, ce qui est étonnant. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais
Normalement, une canalisation de sort, vous le voyez avec la barre orange. On voit justement que d'ailleurs l'effet va tomber sur les joueurs. Regardez, sur les héros ennemis, on voit la barre orange. Sur Mephisto, on ne la voit pas. Donc, est-ce que c'est une canalisation véritable ou pas? C'est étonnant. C'est très étonnant parce qu'on le voit incanter un sort, mais on le voit, on voit pas la barre qui indique qu'il y a une canalisation. Donc, je pense que c'est une canalisation. Est-ce qu'il peut se déplacer pendant ce temps? Est-ce qu'il peut être interrompu pendant pendant le lancement? Ça c'est une question très importante. Après, comme vous le voyez, exactement l'utilisation, c'est-à-dire on lance ses combos et on ultime pour finir l'adversaire s'il a plus beaucoup de PV. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un ultime global, évidemment. Et du coup, un finisher de rêve. Vous avez pris un trade très fort sur la top lane, il y a un mec qui a plus de PV. Boum, de l'autre côté sur la bot lane, votre team a fait un bon taf mais on n'a pas pu sécuriser le kill. Ultime, et ça en solo queue ça va faire mal. Ça en solo queue ça va faire mal mais aussi en compétitif. Donc très intéressant, en plus de donner la vision sur les héros. Donc on peut penser à Abature, ce genre de personnage qui bah, potentiellement peut se faire avoir. C'est à dire qu'il peut assister un dive ou quoi que ce soit, l'opposé de la carte. Et ça c'est très très fort, en termes de stratégie ça ouvre énormément de choses et c'est très intéressant. Et voilà, on voit en plus ça slow derrière, donc ça peut vraiment aider à assister un dive. Et ça pour un match c'est très fort, parce que si Mephisto est hors de s'il est zoné, il peut pas aider son équipe. Bim, il peut balancer les ults pour protéger, pour aider. Ce qui indique normalement que ce genre de sort, très souvent un CD très très long. Genre on peut penser à un 120 secondes CD pour l'ultime. Honnêtement ce serait pas déconnant. Faut que ça fasse mal par contre. Et de l'autre côté on devrait avoir un CD beaucoup plus court. Je pense à 70-80 secondes. 70 secondes serait logique. Donc un route de Mephisto, peut-être 60 secondes étant donné que c'est un skill shot. Mais du coup c'est un skill shot. Alors ça c'est ce que je veux pour la pyro. La pyroblast de Kel'Thas et la cryo de Kel'Thuzad en fait. C'est ce qu'on voudrait ça. Parce que un truc en point and click complètement débile, non. Là l'idée c'est quoi? C'est plus utilitaire, c'est-à-dire que ça va route un ennemi. Un personnage qui manque beaucoup de contrôle, on lui offre un route de zone potentielle. Et là par exemple route, qu'est-ce que ça indique route? Ça veut dire que vous pouvez quand lancer votre Z, le mec ne bouge pas. Donc en termes de combo c'est route, Z, A, prrr, le mec il explose en fait. Donc c'est très très fort à ce niveau là. Alors là on va voir justement, c'est Valyra qui va se le prendre. Là on imagine les petits, on imagine Valyra qui fait Yamete, Yamete, Mephisto Senpai. C'est un peu pervers les trucs tu vois. Non pas du tout. Et mais Blizzard aussi d'ailleurs, parce qu'on va revoir un autre exemple. Alors Jaina qui prend. Et ensuite il y a trois personnages féminins quand même, dont Sally. Non, mais donc voilà, ça a l'air intéressant, ça peut toucher plusieurs personnes. Du coup les deux ultimes ont l'air cool sur Mephisto, ça c'est vachement intéressant. Les deux ultimes ont l'air cool. J'imagine, j'anticipe un CD très long pour l'orgie d'âme et un CD peut-être un peu plus court pour le route. Mais le CD court du route est très intéressant parce qu'il peut être esquivé, donc c'est à dire que vous pouvez potentiellement avoir un ultime qui sert à rien. Par contre si vous touchez c'est un free combo, donc ça fait très très mal. Et ça peut toucher plus en zone, donc dans des compos de setup etc, ça peut être très très fort. Faut voir les dégâts, je pense que c'est plus de l'utilité, un peu comme une... Les dégâts n'ont pas l'air extraordinaires comme vous voyez, donc ça ressemble... C'est vraiment plus pour setup votre combo en fait, hein. Ça sera de l'utilitaire, mais c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup la vision de Blizzard d'avoir fait ce genre de choses. Maintenant, alors parlons de la danse hein, de Mephisto qui est quand même exceptionnelle. Niveau talent, ça c'est très très important. L'hystérie, donc le Lord of Hatred, also, donc le Seigneur de la Terreur, qui réduit également le CD des ultimes de Mephisto. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous touchez avec vos sorts de base, même vos ultimes, cela fonctionne sur les ults. C'est pour ça que j'évoque un 80-70 secondes CD sur le route. Parce que si c'est 60 secondes et qu'à chaque fois vous réduisez les temps de recharge, ça peut vraiment vraiment réduire considérablement. Hein. Et même avec l'autre, avec l'orgie d'âme, c'est très très fort. Cartus, il peut pas l'utiliser tout le temps son ult. Donc c'est vrai que c'est... Surtout que c'est un 13. Et un 13, ça me fait peur. Hein. Honnêtement, ça me fait peur. Alors au passage, apparemment, on sait que déjà que le palier 7 sera uniquement consacré au E. Ce que Blizzard avait arrêté de faire un petit peu, donc on verra. Mais après, bon, je dis ça pour Asmodan, ils avaient refait ce genre de choses. Quête sur le A, visiblement au niveau 1, donc ça c'est plutôt intéressant. On voit les autres niveaux 13 qui n'ont pas l'air dégueu, parce que là on se dit putain 13 c'est tôt, c'est fort, c'est très très fort, ça marche sur les ultimes qui sont des 16, hein, les élans du combat héroïque, Phoenix, Medivh en nom pardon, et c'est au 16, donc étonnant. À côté de ça, le Q qui augmente le spell power, donc qui augmente la puissance de capacité.
Donc c'est pour évidemment les joueurs qui toucheront très souvent avec leur A, et eh bien votre prochain A fera plus mal, etc. etc. Également le passif qui fait en sorte que votre attaque de base va splash, donc va toucher en zone. Faut voir si ça donne un effet supplémentaire, mais pour wave clear c'est quand même toujours intéressant, même si c'est un talent qui arrive tard pour du wave clear. Donc ce talent, l'hystérie, a l'air très très fort. À côté de ça, donc on voit pour les CD qui sont pour les, ça marche pour les ultimes. C'est dégâts la capacité. Eh oui, on va voir le niveau 20 aussi, puisque niveau 20, vous avez le consume by hatred, donc le consumé par la haine, qui a l'air mais tellement puissant, qui a l'air tellement puissant, puisque si vous avez lancé l'orgie d'âme et que vous tuez quelqu'un, comme la fissure d'ombre de Kel'Thuzad, si vous tuez quelqu'un avec donc le R, vous avez de nouveau un R, ce qui peut être ultra cancer, ultra fort, mais vraiment très 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 fort. Donc les 20 de Mephisto, bah, c'est, on repart sur la ligne directrice de dernièrement de Blizzard, c'est-à-dire que tous les 20 sont... On fait des 20 OP, c'est l'équilibrage Dota est fait au 20 sur Heroes, c'est-à-dire qu'à partir du 20, on vous propose 4 talents ultra forts. Et ils vont s'équilibrer par eux-mêmes parce qu'il faut en choisir un. Vous pouvez pas tous les choisir. Et du coup, on a l'ultime amélioré qui a l'air extraordinaire hein, sur l'orgie d'âme. Mais pareil sur le root. Lisez bien. Pendant la durée du root, les mecs sont silence. Pendant la durée du root, ils sont silence. Ils peuvent pas lancer de sort. Donc ils peuvent auto-attaque. Mais c'est le stukaf quoi. Root plus silence, c'est quasiment un stun. Le seul truc, c'est que les mecs peuvent auto-attaque. Ça vaut un stun. Un stun qui représente 3 secondes, enfin 2 ou 3 secondes. C'est énorme, c'est énorme. Alors bien entendu c'est un skill shot, donc il y a du counterplay et tout. Mais pour le moment les ultimes sont très très forts. Parce que l'autre c'est point and click, hein. T'appuies sur R et tu peux aller siroter ta grenadine et c'est bon. Et à côté de ça on a un autre talent très fort, puisqu'on nous montre le Shade Lord, donc le E en fait, l'ombre de Mephisto, qui fait en sorte que vous avez 45 secondes de CD, mais quand vous allez l'activer, ça rafraîchit en fait, ça enlève le temps de recharge du E, ce qui vous permet en fait de faire un E, d'esquiver quelqu'un ou de lancer votre sort, de faire un E-in offensif, de repartir sur votre location, enfin sur votre endroit de départ, vous l'utilisez et là vous avez de nouveau un E en fait. C'est très très fort, honnêtement c'est très intéressant au niveau playmaker, au niveau escape, ça peut vous permettre de faire E out en fait. Donc c'est très très fort, sachant qu'en passif ça fait en sorte aussi que vous allez bénéficier de tous les talents 7 sur le E, et ça c'est fort, ça aussi c'est vraiment pas mal du tout. Alors en termes de rentabilité, ça vous fait perdre un talent 7 en fait, puisque bah à la fin en fait vous avez, mais bon c'est pas très, c'est en gros vous obtenez que 2/3 de la puissance du truc, mais ça reste très très fort bien entendu, puisque on va le remontrer, mais en fait là on nous montre les 3 talents du 7. On montre les 3 talents du 7, donc le fait que quand votre E vous pouvez l'utiliser au 7 pour justement, alors sachant que regardez aussi au niveau 1 on voit un talent sur le Lord of Hatred, donc le Seigneur de la Terreur, donc intéressant, il y a des quêtes sur le Z au 4, peut-être un palier Z au 4 d'ailleurs, et au 1 peut-être Q et passif etc. Sachant que du coup au 7 vous avez le E qui va ralentir les ennemis de 40% autour justement de l'ombre de Mephisto, donc vous pouvez vous servir du E pour ralentir les mecs, lancer votre sort, vous pouvez en gros faire E-in ou E-out pour pouvoir en fait ralentir les mecs pour faciliter des combos. C'est vous force certains, on va dire une mécanique un peu particulière. À côté de ça, ça peut vous éviter justement si des ennemis veulent vous pourchasser, ils seront ralentis. Et de l'autre côté, vous avez également de l'armure avec le E, donc quand vous utilisez votre E, vous allez avoir de l'armure. Ou de la move speed après le E. Et là, ce 20 vous offre les 3 possibilités. Donc slow sur le E, armure sur le E et également move speed sur le E, ce qui est quand même très très intéressant, on va pas se mentir, c'est plutôt puissant. Et le dernier, juste avant de repartir là-dessus, le dernier 20, donc la mimique, ça fait en sorte que l'ombre de Mephisto peut également lancer le A. Donc c'est un peu l'image de Kel'Thuzad, vous savez, avec cette l'ombre, l'amélioration de l'acolyte de War 3, qui va lancer le A en fait, la Nova de Poison en fait. Donc ça marche, non c'est pas Nova de Poison, j'ai oublié le nom, mais bon c'est
En plus, c'était son ult dans War 3. J'ai oublié. Mais en gros, fissure et décomposition. Quelque chose. Non, c'est décomposition. Mort et décomposition. Du coup, ça a lancé le A. Mort et décomposition. Et en l'occurrence, là, c'est pareil. Donc, ça peut vouloir faire double Q spell. Double Q spell, si vous avez par exemple le spell power au 13 et tout, ça peut être très très fort. Hein. Ça peut faire en sorte que le Q fasse très très mal. Donc, les 80, même si celui-là semble peut-être un petit peu en dessous, fort à voir. En fonction, ça dépendra aussi de l'arbre de talent. Mais ça peut être vraiment pas mal du tout. Parce qu'on voit aussi un talent sur le 16, sur le Q. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais les 20. De Mephisto ont l'air très très fort. Ils ont l'air très très fort, honnêtement. Et à côté de ça, je sais plus si on nous a montré autre chose. Un truc aussi que je voulais noter, c'est les. Au final, les images des icônes sont super belles, je trouve. Ça fait très art de Diablo, je trouve. Moi qui ai beaucoup bossé sur l'histoire de Diablo, je trouve que ça fait très art de Diablo et c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas à me donner vos impressions, mais je pense honnêtement que Mephisto fera pleurer beaucoup, beaucoup de personnes parce que ceux qui se plaignent de Chromie, de Genji, etc., le personnage a des mécaniques. Alors, c'est skill cap, donc à la Genji, c'est-à-dire qu'un mec qui sait très bien jouer le perso, il va faire le café, hein, il va être exceptionnel dessus. Et si tu sais pas le jouer, bah tu pues la merde dessus et ça servira à rien. C'est un personnage qui servira à rien. Il a pas l'air d'avoir une portée extraordinaire. Je pense que c'est un personnage qui sera quand même. C'est un mage, donc il sera probablement assez fragile. Donc honnêtement, honnêtement, Mephisto, rien que le R, le 13 et le 20, je pense que Reddit, YouTube, les forums, etc. vont s'enflammer. Parce que quand vous allez vous en sortir avec peu de PV et qu'il y a le R qui tombe au-dessus de vous, je peux vous garantir, hein, je peux vous assurer que c'est frustrant. C'est frustrant. Après, sur League of Legends, beaucoup ont pleuré sur Karthus, mais tout le monde s'accordait à dire que voilà, le perso, il avait surtout besoin du R. Donc, Mephisto, il semble avoir d'autres choses que le R. Donc, faut voir, mais je pense que le perso sera très intéressant dans les mains de très bons joueurs. Après, faudra. On n'a pas assez d'infos encore pour dire si c'est OP ou quoi. Mais sur le papier, ce qui est sûr, c'est qu'il devrait être très intéressant et potentiellement très frustrant pour des joueurs qui n'arriveraient pas à le contrer. Voilà, en tout cas, moi, on va s'arrêter là-dessus. Je vous invite, bien entendu, à suivre l'histoire de Diablo si ça vous intéresse pour découvrir un petit peu plus Mephisto. C'est mon personnage préféré de l'univers de Diablo, en tout cas l'un de mes préférés. Et je suis un petit peu déçu de sa tête. Je suis un peu déçu de sa tête, mais sinon, j'adore le perso. Il a l'air très très cool. Je suis pas un joueur de mage, mais c'est vrai que ça a l'air quand même super intéressant. J'ai hâte de le tester sur le PTR. Et bah, les petits chanceux qui iront à la Gamescom pourront le tester en avant-première. Donc, bah, hâte de voir ça. Et au passage, je suis très circonspect encore une fois parce que je sais pas ce qu'ils vont annoncer à la Gamescom, mais bah, ça aurait dû être le perso en fait, comme l'année dernière à Kel'Thuzad, une bande-annonce, etc. Là, tu balances ton Mephisto, tu balances le spotlight de Mephisto avant. Tu vas dire quoi pendant la Gamescom? Alors, il y a Anamura, on fera aussi une vidéo sur Anamura qui va, mais ils viennent de release le rework d'Anamura et à Mephisto. Il va y avoir quoi la Gamescom en fait sur Heroes? C'est très étonnant. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous, de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Je vous fais plein de bisous. Hâte de tester Mephisto. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus dans le Nexus.